Ok, salut la team, alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es retombé dans ton enfance. Ou alors c'est que tu es encore un sale gosse. Bref, pour te la faire courte, aujourd'hui avec mon pote Antoine, nous allons faire un parcours juste énorme de dominos. Enfin, on n'a pas de dominos, c'est simplement des livres et des DVD. On n'avait pas vraiment de budget. Va-t-on réussir cette mission? Je vous laisse avec les images. Ok, salut la team, chers joueurs, dans une nouvelle vidéo. Donc c'est Antoine qui te cadre. Donc mec, ça va être énorme, parce que peut-être qu'il est venu me cadrer pour faire de la merde. Et en même temps, je l'ai appelé, j'ai dit vas-y viens aujourd'hui, on va faire un truc de ouf. Et en gros, on va essayer, en fait, ça part de ma chambre en haut et ça vient dans mon studio pour allumer ces lumières là. Donc j'espère que ça va marcher. Tu penses que ça va marcher gros ou pas? Bah ouais. Parce que depuis toute ma vie, avec mon cousin Luigi, on faisait des dominos, des vrais dominos, mais à chaque fois il y avait un truc qui merdait. Il y a toujours un truc qui merde dans les dominos, je trouve. Et là, j'ai jamais réussi de ma vie à faire un parcours de A à Z sans qu'il y ait un bug. Donc aujourd'hui, ça va être le but, on va servir de plein de choses. Des balles, plein de choses, vraiment j'ai pas envie de faire juste des DVD qui s'affilent de A à Z. J'ai envie de mettre des petites difficultés, genre par exemple je sais pas, un ventilateur qui va actionner un truc pour actionner un autre truc, vraiment un truc de malade, comme les américains quoi. Mais même si on n'est pas des américains, on va essayer de faire les américains. Bref, du coup c'est parti, on se retrouve dans ma chambre, c'est parti. Ok, on va commencer à prendre des petits DVD, genre par exemple ça c'est super. Genre on va prendre les Simpsons pour faire des... En gros voilà, on va vraiment les poser comme ça, bon. Les poser comme ça et après on se retrouve. Ça tombe, ok. Donc on va prendre ça et plein de petits DVD, on va prendre des livres, on va prendre un peu de tout. Je suis vraiment pas sûr de mon coup. J'ai aucune organisation, ça veut dire que hier je me suis dit vas-y, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec Antoine. Au final j'ai rien réfléchi, on va faire ça sur un coup de tête. Tu vas m'aider mec? Ouais bah ouais. T'as intérêt à m'aider. Antoine va m'aider, donc des fois je vais poser la caméra, comme ça il pourra m'aider, ce sera plus agréable pour vous à regarder. Et puis voilà quoi. C'est parti. Ok, donc comme je l'ai dit, on débute dans ma chambre. Bon désolé, ma chambre est un peu en bordel. Comme vous pouvez voir, vas-y filme gros, il y a des phrases de partout dans ma chambre, on dirait un malade. Même là, regardez là, ici. En gros, ça c'était la veille que je passe le permis, je me suis dit vas-y c'est quoi, je vais l'écrire, je suis sûr de l'avoir. Et au final je l'ai eu, loi de l'attraction les gars. Tous ces messages c'était parce que j'étais en dépression. Et du coup je sais pas, j'avais le besoin d'écrire des trucs et tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui je regrette énormément d'avoir fait cette merde, parce que c'est très très moche. Mais vas-y c'est pas grave, vous en préoccupez pas. Et on va passer directement au domino. Du coup là ce qu'on va faire c'est que on va un peu, on va commencer. En fait le but c'est que je me réveille de mon lit et que je tape un domino ou un truc et que ça monte, hop, et ça commence à partir. Donc je pense que là on va faire partir sur la table, on va aller là-bas dans les escaliers et après ça va partir pour le truc quoi. Et t'es prêt Antoine? Ouais. Il va m'aider, donc on va poser la caméra, comme ça on va pouvoir faire un peu tous les deux et on va pouvoir mettre main à la patte tous les deux. Comme on dit l'expression. Bref, c'est parti gros. Vas-y. Allez gros. En gros moi je commence à faire ici. Toi tu commences à faire le descente. En gros là il y a un truc qui va tomber pour actionner un autre truc. Okay. Donc moi je monte ici. On va faire tous les deux sur la table. En gros, tu sais quoi, toi tu fais ça. Tu fais un truc quand tu fais ici et monter sur la table, on fait la moitié chacun. Après, moi je te rejoins pour faire ici, ok? Passe-moi le livre jaune, gros, s'il te plaît. Par contre, fais gaffe, je crois que tu les espaces beaucoup. Par exemple, je vais pas te mentir, je crois qu'on va faire un test avant pour celle-là. Le dernier, il était près du cul. Hein. Pour l'instant, je vais être sincère avec toi, je le sens, mais absolument pas. Moi, je le sens. Vas-y, on fait le test. Vous êtes prêts ou pas? Si ça marche gros, la vidéo part déjà très très bien. Vas-y, remets cela vite fait s'il te plaît. Fais gaffe à tes faits, geste mec. Mais gros, je te jure, j'ai rien touché gros. C'est le... Parce que vu que le parquet il est flottant gros. Vas-y mec. Fais gaffe, c'est ça là. Oh mec, t'as dit quoi là? Ça il était génie ou pas? Si ça commence comme ça, c'est pour ça. Donc franchement ça commence déjà très très bien, je pensais pas que ça allait marcher aussi vite. Donc regardez, Antoine est à fond, encore plus que moi, il a déjà commencé à refaire le truc. Donc voilà, donc j'espère que ça va marcher la prochaine, enfin pour la finale. Parce que tu veux pas en refaire un dernier coup pour voir si c'était pas un coup de chance? On va refaire un dernier coup pour voir si c'était pas un coup de chance. Mais honnêtement ça commence super bien, je suis trop content, c'était vraiment cool. En gros c'est essayer de la mettre là, et elle roule. Voilà, on va se mettre des petits défis, on va pas juste faire des trucs faciles. Imaginons elle roule et elle va actionner pour ça là. Est-ce que ça marche ou pas? On va essayer tout de suite. Attends. Oh mec, c'est archi stylé. Bon, faites pas gaffe à cette poubelle là, Antoine la filme pas trop s'il te plaît. J'en étais sûr, mais je te connais tellement. Il y a un petit taco, j'ai envie de ça ce week-end. La poubelle, j'ai la flemme de la vider parce qu'en fait vous allez le voir de toute façon. Vous allez un peu découvrir ma maison en même temps. Je suis au 4ème moi. Donc la poubelle est tout en bas, donc j'ai la flemme. Donc bref, je suis dans le grenier, ouais, j'habite dans le grenier frère, je suis un fugitif. En gros là ce qu'on veut faire, c'est qu'ici il y a les escaliers. En gros vous avez compris le système. En gros regardez, quand je vais tendre la corde. En fait tu veux que la bouteille descende? Ouais gros.
Attendez, je suis un peu chaud là. Là, ce qu'on vient de tester, c'est vraiment un truc de ouf. Regardez bien, filme ça, Antoine. Est-ce que tu vois bien ou pas? Regardez. Là, il y a un petit truc, un petit poids qui est sur une ficelle qui va actionner tout là-bas, qui va actionner les livres là-bas. Donc là, on fait des tests avant, parce qu'on veut vraiment que ça marche. Donc là, Antoine, je vais te laisser appuyer sur ça. Attends, je vais te le dire. Et on va voir si ça marche ou pas. Si ça marche, les gars. Je suis avec mon pied. Attends, attends, attends. Si ça marche, mon gars. Oh là là, la déception. Mais ça partait tellement bien, frère. Ouais, il y a plein de trucs qu'on a cuté, du coup, parce que finalement, on n'a pas voulu mettre. J'avoue, Antoine, il a raison. Donc, ça sera un peu en suspense. Ça va être au début de la vidéo, tu sais, au tout début, quand tu cliques dessus, là. On va voir. Ok, donc là, on va passer sur la fin, parce que mon père va bien manger bientôt. Et du coup, bah, vu que j'ai des chiens, ils vont sortir, ils vont faire n'importe quoi. Donc là, on reprend dans l'étape d'en bas pour essayer de se recentrer là-dessus. Donc après, on fait une pause après. Et dès que mon père va reprendre le travail, on va tout concessionner, tout faire au milieu. Donc pour l'instant, à vous, Antoine, ça part super bien. Ouais. Et là, le dernier truc vraiment super stylé. En gros, à la fin, ça va venir. Les livres là, ils vont venir actionner ça. Donc je vous dis pas ce que ça va faire. Donc, vous verrez bien. Ça va peut-être allumer mon studio, je sais pas, on verra. On va foutre des caméras de partout. Là, je viens de penser avec Antoine, je pense qu'on va faire ça. En gros, j'ai un stabilisateur qui se règle à distance sur mon téléphone. Dis-moi si t'es chaud toi aussi. Et en gros, en fait, je vais mettre le stabilisateur qui, je vais le faire tourner dans un sens qui va actionner le premier DVD là-haut. Et nous, on va rester en bas, on va attendre là comme des cons devant le studio devant la caméra devant vous. Et vous, bien sûr, voilà, et vous, bien sûr, vous aurez les retours caméras de toutes les caméras qui filment de partout. Et comme ça, nous, en gros, si ça vient pas, on sera là comme des cons à vous regarder. Et si ça marche, gros. Je crois que je te fais l'amour. Ça va être juste énorme. C'est depuis tout petit, comme je disais Antoine tout à l'heure, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais eu le courage. Ou à chaque fois, je me disais que ça allait pas marcher. Et puis, vu que j'avais pas vraiment de matériel, j'avais pas vraiment de budget. Tu veux filmer là? Ouais. Enculé. Je transpire de ouf, je vous jure, c'est archi physique, je trouve. En gros, là, j'explique que je fais que courir pour aller chercher des trucs en haut et en bas. Donc là, en fait, on va prendre un fer à repasser, frère. En fait, on va l'actionner. Et en l'actionnant, ça va faire tomber quelque chose. Mais est-ce que le ventilo. Enfin, le. Ouais, j'ai du mal, gros. Le sèche-cheveux va être assez puissant pour allumer un CD. On m'appelle demain? Non, j'ai coupé. Ok, est-ce que si on met, ça tombe mec, je suis trop fier de vous. Oh mec, à vous là tu te dis putain il est trop chaud mec. Mais qu'est-ce qui va actionner le sèche-cheveux? Regarde. Mmh. Ah mec. Antoine, je suis sûr que tu kiffes ça. Il vient de faire tout tomber, vous avez pas vu, putain, regardez-moi ça. Pas le pauvre gosse. Mais c'est toi, oui. Du coup, c'est moi, frère, j'ai rien fait. T'as la haine ou pas? Non. Allez, Antoine, je te laisse la caméra, on va voir si tu divertis bien les gens. Allez. Je suis pas un youtubeur, moi. Moi non plus. Bon, alors là. Je viens de dire à Antoine, je crois que si à la fin ça marche, je pleure. Et il me dit, si tu pleures, je connais même pas, frère. Je suis tellement content que vous... Non, je n'en ai même pas ça. Ok, donc là, on va tester la balle qui tombe pour voir si ça peut toucher les DVD. Donc moi, je dis les DVD, frérot, on va les mettre. Ça va être la galère parce que la balle, elle va aller tellement vite qu'elle peut tout défoncer et faire de la merde. D'où? Ok. Donc là en fait le problème c'est que c'est vraiment un coup de poker parce que si le DVD il tombe et il se met comme ça, c'est mort. En gros, je vais déclencher vraiment qu'on soit en bas et que j'appuie sur un bouton et que tout se fasse. Donc là on essaye pour voir si ça marche. C'est génial mec. Papa, vas-y! Donc là, malheureusement, comme vous aurez compris, le stabilisateur n'a pas marché à distance, on était trop loin. Du coup, c'est ma sœur qui va faire tomber le premier domino. Enfin, DVD. Ok! Vas-y, rappuie! Et voilà de la surprise. On voit pas grand chose. J'ai le premier temps. Non, putain. Le vise, remets. Bah, attends. Ça a pas marché.
pas mal. Ça a pas marché. Ça a pas marché, Anthony. Il a fait tout tomber. Attends deux secondes, s'il te plaît. Qui a fait tout tomber? Attends deux secondes, s'il te plaît. On est où là? Eh, vous êtes pris en flag là. Voilà. Ça arrive. Vas-y! Fais tomber le balai! Moi j'en peux plus, on est cul gros, bien joué mec. Vous avez pas vu, il y a eu plein de problèmes. La BCA n'a pas marché. Donc la BCA n'a pas marché. Mais le rouleau, le plomb là, il a marché dans l'escalier là. Ça, on pensait vraiment que ça allait marcher, il a marché. Après la Wartime. En tout cas, si vous voulez une partie 2, dites-le, on va la faire, promis. Mais cette fois-ci, on se garantit de réussir. Si on réussit pas, et ben dans la même journée, on refera pour réussir. Vraiment, et là cette fois-ci, je pense qu'on va... On va prendre quelqu'un qui va suivre le parcours, je pense. Plutôt que mettre des caméras. On va voir comment on va se démerder, mais mieux que ça, parce que là c'est vrai qu'on t'es pas mal, t'es pas organisé à fond. En tout cas, voilà, c'était vraiment cool. Encore une fois, merci mec. Mettez un like sur cette vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, à son compte Instagram. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez une partie 2, il faut 100 likes en 24 heures. En 24 heures. Plus de 24 heures, ce sera trop tard. Parce que c'est une vidéo qu'on a envie de faire, mais qui est très compliquée là. Depuis ce matin, 9h, on y est. C'était galère parce qu'il y avait ma soeur qui rentrait, qui était là, ma mère qui rentrait avec les courses. Enfin, il y avait trop de trucs de ouf. Ok, la team, donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo là. En tout cas, bah. N'oubliez pas, si vous voulez une partie 2, commentez-la et likez la vidéo, comme ça on va savoir si vous la voulez vraiment. Donc 100 likes en 24 heures. Mmh. C'est un plaisir, mec. Plaisir, mec. Ouais, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. Ouais, mec.